n'y est pas tout le monde. Alors, je vous invite à me rejoindre dans le monde magique autour de la vie, la grossesse, l'éducation, la famille, voilà. Et essayer de comprendre en fait pourquoi bébé pleure la nuit et qu'est-ce que je peux faire. Et pourquoi est-ce que dans mon titre, j'ai mis le thermomètre comme un indicateur d'action. Voilà, le thermomètre, c'est essentiel. Voilà, à partir du moment où bébé pleure, thermomètre. Voilà, est-ce qu'il y a une raison directe ou indirecte? Est-ce qu'il y a une pathologie? Est-ce qu'il y a une infection? Une affection. Donc, c'est le premier risque majeur. Il ne faut pas que je passe à côté du risque majeur si bébé a effectivement un petit déséquilibre et s'il a vraiment un problème. Donc, comment je m'en assure? En utilisant le thermomètre. Ça, c'est le premier indicateur. Une fois que j'ai utilisé mon thermomètre et que je me suis assurée que tout allait bien, et que la température était normale. Je me pose d'autres questions, c'est la question très délicate de « Y a-t-il un risque majeur de passer à côté d'une souffrance, d'un bobo ou autre que je n'aurais pas identifié ?» Voilà, ou que alors j'aurais sous-estimé. Voilà, c'est très délicat d'avoir le rôle de parent, et que ce soit le premier ou le deuxième enfant, la confiance n'est pas la même, l'expérience n'est pas la même. Donc en règle générale, je dirais que ce qu'il faut retenir, premier ou deuxième enfant ou pas d'enfant, tout pleur est à mon sens justifié et il faut chercher à en comprendre la signification. Donc vous avez une opportunité majeure qui est à mon sens que quand vous rentrez à la maison après avoir accouché, vous rentrez à la maison avec bébé. Et bien en fait ça c'est un moment privilégié. Parce que pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, vous allez avoir le loisir en fait de prendre le temps de vous connaître avec votre enfant, d'apprendre à vous identifier et apprendre à identifier la subtilité de ses cris, de ses pleurs et de sa part d'émotionnel. Voilà, c'est un petit individu unique, votre enfant. Et il a des éléments qui le caractérisent, il a des traits émotionnels qui le caractérisent. Donc il faut essayer d'identifier ce qui constitue la normalité de ce qui constitue l'anormalité. Alors la difficulté, moi je dirais autour de tout ça, c'est que... Alors moi je dirais que la difficulté, ça porte sur le fait que tous les petits, en fait, même si certaines de ces actions de pleurs sont mécaniques et fonctionnelles, il n'en reste pas moins que votre petit bout, en fait, c'est un être humain. Donc du coup, en ce sens, il a aussi un cerveau émotionnel et affectif qui va participer à la construction progressive de ce qu'il sera plus tard. Voilà, un petit individu unique, voilà, qui a connu différentes phases de développement qui vont concourir à faire de lui ben, un être intégré. Et voilà, un petit être humain unique. Donc en fait, les émotions, c'est quoi? Vous, si vous vous placez en tant que parent, vous êtes un influenceur potentiel des pleurs de votre bébé, et oui, sans le savoir. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous êtes humain, et donc du coup, vous avez une partie d'émotionnel. Vous allez ressentir ou pas certaines de vos émotions, vous allez en avoir conscience ou pas conscience. Donc vous percevez des émotions et vous les ressentez. Voilà, donc vous, parent, vous allez influencer par vos émotions, en fait, ben, bébé. Et vous allez influencer la nature émotionnelle de bébé, voilà. Comment? Ben, si vous avez potentiellement une nature anxieuse, si vous êtes très stressé, si vous êtes plutôt de nature pessimiste, si vous avez une sensibilité émotionnelle un peu importante après avoir accouché, etc., etc. Donc tout ça, et notamment, est-ce que il faut considérer le fait que ce soit votre premier enfant ou pas? Donc si c'est votre premier enfant, forcément, il est normal d'être inquiet parce que le rôle de parent, en fait... C'est un rôle très très difficile à assumer. Donc, est-ce qu'il faut le laisser pleurer? Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas? Ben voilà, moi je dirais s'inquiéter, ben, c'est une opportunité. Voilà, il faut toujours s'assurer que tout va bien, que bébé va bien, parce que tous les pleurs affectent son développement. Les pleurs, les stress, les traumatismes peuvent rester ancrés sur sa mémoire émotionnelle à long terme. Donc ça va influencer son développement plus tard, même s'il ne faut pas dramatiser. Mais tout est relatif, mais voilà, ça influence indirectement ce qui le construit. Donc moi je dirais que s'inquiéter c'est quand même une opportunité, c'est de s'assurer que tout va bien, mais trop s'inquiéter c'est un risque, dans le sens où vous risquez de lui communiquer votre mauvaise énergie à votre enfant. Et vous allez en fait, vous sans le vouloir et inconsciemment, eh ben, mettre en place un comportement de pleurs peut-être systématique parce que votre enfant quand il vous voit il est angoissé. Si vous êtes angoissé, eh ben, votre enfant il le ressent parce que c'est comme un tout petit animal, il ressent très très bien les choses.
Il est vraiment très très sensible aux émotions, votre enfant. Donc même si vous, vous avez l'impression que vous ne lui montrez pas, votre enfant, il est doté de capacités cognitives, émotionnelles, affectives qui sont exacerbées. Donc il ressent tout, c'est une vraie éponge. Donc attention à votre état de stress à vous. Alors maintenant, si on s'intéresse à pourquoi notre enfant, il peut pleurer. Alors si votre enfant, il pleure, je vous l'ai dit, il faut le retenir, il y a toujours une justification. Voilà. Il pleure pour exprimer un besoin. Il a un problème, il a chaud, il a froid, il a faim, il a des difficultés à trouver le sommeil, il a un bobo intestinal, il a mal au ventre parce qu'il a tout qui se met en place au niveau de ses activités enzymatiques. Tout ce qu'il ingère est nouveau et ça, bah, c'est pas facile à digérer. Donc potentiellement déséquilibre intestinal, est-ce que potentiellement il a fait un rêve ou un cauchemar? Est-ce que il est envahi de sensations de peur et d'angoisse, tout simplement parce qu'il est dans un environnement qu'il ne connaît pas, puisque la plupart du temps il dormait peut-être avec vous, ou il dormait dans un environnement dans lequel bah, vous faisiez votre ménage, vous prépariez la popote, donc il avait l'habitude d'entendre des bruits, vous l'avez changé d'environnement, donc tout ça peut influencer la peur, etc. etc. Moi, je dirais qu'en termes de bonne pratique, il faut éviter de laisser pleurer bébé. Enfin, du moins trop longtemps. Voilà. Il faut trouver le juste équilibre, en fait, entre le laisser pleurer et pas le laisser pleurer. Je pense que un enfant qui pleure, c'est important pour qu'il se développe également. Mais trop pleurer, attention, ça peut affecter la partie émotionnelle et la mémoire émotionnelle de l'enfant. Voilà. Et puis, le but, en fait, c'est ben, votre confort. Par votre comportement et le fait d'éviter de le laisser pleurer trop longtemps, c'est éviter de risquer d'accentuer sa peur. Voilà, et comme je vous dis, d'imprimer la notion de peur dans sa mémoire court terme, moyen terme ou long terme. La peur, en fait, c'est une émotion qui vient parasiter si c'est quelque chose qui est ressenti, en fait, fréquemment par l'enfant. Et ça va parasiter quoi? Ben, ça va parasiter la qualité de son développement cérébral. Et je vous rappelle, écoutez les autres castes, mais l'enfant dans cet état les plus précoces va mettre en place son pool nerveux. Et en fait, la qualité de ses neurones, elle est vraiment en fonction de la sphère affective dans laquelle il évolue. Donc on ne manifeste jamais trop d'attention, je dirais, dans les premières phases de développement d'un enfant. On va le voir pourquoi. Alors, je dirais que l'enfant dans sa phase précoce de développement, en fait, il ressemble à un petit animal. Moi, j'aime bien le comparer à un animal pour essayer, en fait, de représenter ben, tout simplement la part de l'émotionnel, la part du naturel, le comportement, on va dire, spontané, qui consiste à maintenir la survie de l'espèce. Je mange, je bois. Etc. etc. Donc en fait, votre enfant, c'est comme un petit animal. Il vit émotionnellement, il mange émotionnellement, il dort émotionnellement. Et voilà, est-ce que il faut se poser la question de savoir est-ce que ses cris, ses pleurs sont, à mon sens, toujours justifiés. Dans ces phases la plus précoce, normalement, l'enfant, c'est toujours justifié. Après, effectivement, dans les autres phases, il y a une dépendance affective qui fait que votre enfant, forcément, il peut faire ce qu'on appelle un petit peu de comment je dirais, de chantage affectif, en fait, hein. Mais dans les premiers mois de développement, normalement, il n'y a pas de notion de chantage affectif. Voilà, donc votre enfant, il ne peut pas vous faire du chantage, normalement, ou il ne peut pas vous faire, voilà, du caprice, des caprices dans les premiers mois. Mais il faudrait voir au niveau de pédiatre ce qu'ils en ont, ce qu'ils en disent, mais moi, c'est ce que je crois comprendre. Donc, moi, je dirais que il faut rester vigilant, en fait, aux pleurs d'enfants. Il ne faut pas non plus être complètement parano dans le rôle de parent. S'il y a une inquiétude qui persiste au regard plutôt de son état de santé, moi, je dirais que, attention, comme le titre l'indique, le thermomètre reste le meilleur indicateur pour orienter votre prise de décision. Est-ce qu'il faut consulter un médecin, les urgences, etc. Je surveille toujours la température. Est-ce qu'il y a des vomissements? Est-ce que j'ai des expressions du visage qui sont changés, est-ce qu'il y a des choses sur la faciès de l'enfant qui a changé, etc. etc. Est-ce que j'ai changé d'alimentation? Voilà, je me remémore les aliments que je lui ai donnés à manger, je vérifie les dates de péremption ou potentiellement bien d'autres choses. Je vérifie également le lait, est-ce que j'ai changé de marque de lait, etc. etc. Donc quels sont les facteurs d'influence autour de l'environnement dans lequel évolue bébé qui peuvent justifier ses pleurs ou alors
Quels sont les facteurs d'influence interne émotionnelle de votre enfant qui pourraient justifier ses pleurs? Et avant de vérifier tout ça, je m'assure qu'il n'y a pas d'état pathologique, c'est-à-dire que votre enfant n'est pas en souffrance pathologique, c'est-à-dire qu'il n'a pas une affection, des problèmes respiratoires, etc., etc. Donc, médicalement, il n'y a rien. Et ça, on ne peut pas le vérifier si on n'est pas un médecin et un expert. Donc, en fait, si vous hésitez, n'hésitez pas. Enfin, sur l'état de votre enfant, voilà. N'hésitez pas à consulter si doute vous avez, un spécialiste, tout simplement. Voilà, pour vous rassurer sur l'état de santé de bébé et ce qu'il convient de le faire pour le calmer. Donc, il y a plein de gens comme les sages-femmes, les pédiatres et autres qui peuvent vous informer sur ce sujet. Donc, je vais clôturer et je vais conclure parce que qu'est-ce que je papote? Donc, je dirais qu'en fonction de certains retours d'expérience, on peut considérer que dans certains cas, si certains bébés appellent beaucoup, pleurent beaucoup et manifestent un besoin affectif qui est important de leurs parents, en fait, ils vous sollicitent énormément les premiers mois d'existence, et bien souvent, en fait, moi je dirais que ça vaut le coup de s'occuper de bébé, en fait, c'est parce que bébé en a besoin. Les enfants sont différents, il y a certains bébés qui vont demander beaucoup d'attention dans les premières phases de leur développement, alors que d'autres vont en demander un petit peu moins, mais je pense qu'il y a vraiment un bénéfice qui est non négligeable sur le développement de l'enfant, à vraiment mettre en place une sphère familiale affective et avec beaucoup d'amour. Voilà, ça stimule beaucoup de choses. Et je dirais que le bénéfice de s'occuper beaucoup et d'être disponible pour bébé les premières phases et de répondre expressément à ses pleurs, c'est qu'en fait, vous allez construire indirectement à mettre en place en fait le fondement de la confiance de votre bébé. Tout simplement, il va apprendre à faire confiance, il va apprendre à se faire confiance à lui-même, il va apprendre à identifier ses émotions et il va apprendre à ne plus crier à chaque fois qu'une émotion l'envahit. Il va aussi apprendre à contrôler. Donc indirectement, c'est les premières phases de l'éducation de votre enfant. Donc les pleurs éduquent, même s'il est important, bien sûr, de ne pas laisser pleurer bébé. Il faut néanmoins garder à l'esprit que voilà, les pleurs éduquent, mais attention à l'effet très négatif et aux répercussions négatives qui consistent à laisser bébé seul dans une pièce pleurer plusieurs heures ou plusieurs dizaines de minutes. Non, ne faites jamais ça. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, en fait, vous allez pouvoir plonger bébé dans un climat de peur et y mettre beaucoup plus longtemps à restaurer son climat de confiance. Je pense que vous avez bien plus d'opportunités à vous occuper de lui durant les premiers mois, même si c'est dur et que les cycles de sommeil sont courts. Donnez-lui du temps, de l'attention, et je pense que l'opportunité viendra dans les deuxièmes phases de développement de bébé. C'est-à-dire qu'après, il aura moins besoin de vous et en plus de ça, vous aurez participé à lui mettre en place un socle de confiance, je dirais solide. Donc voilà, vous participez à construire la confiance de votre enfant. Donc je dirais que voilà, ça je l'ai dit, je griffonne, qu'est-ce que j'ai mis sur mes notes? Ce qu'il faut comprendre en fait pour terminer la conclusion, moi j'avais noté que ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque est unique et non reproductible. Un enfant qui, par exemple, appelle beaucoup les premiers mois de sa vie, en fait, si vous répondez à ses besoins, ça pourrait être un enfant qui, au contraire, ne vous sollicitera pas vraiment ou plus après quelques mois de développement, car il aura appris grâce à vous à contrôler ses émotions et mieux les interpréter. Il est en confiance avec son nouvel environnement et ceci grâce à vous. Il n'a plus peur. Voilà, allez, je vous dis n'y est pas, je vous abandonne, je vous dis à bientôt. Voilà, il n'y a pas une éducation, je dirais même qu'il n'y a pas une façon de voir l'éducation. La méthode et la synthèse proposée par IEPA n'a pas valeur de vérité générale du tout, du tout, du tout. Donc moi, je vous invite à nous faire vos propres retours d'expérience. Expliquez-nous un petit peu comment vous gérez les pleurs et les cris de vos bébés et comment est-ce que vous les interprétez, voilà. Et comment, à terme, ça, la gestion des pleurs et des cris de bébés, comment vous avez appris à les gérer. Et qu'est-ce que selon vous, ça a apporté comme risque et d'opportunité dans l'éducation que vous avez mis en place? Je vous dis bientôt, à bientôt, y est pas!